Un rêve, au-delà de toute limite, porté par une amitié solide, sincère, solidaire. Paul, Alain, Guillaume ont choisi de se mesurer au sommet volcanique bolivien, culminant à plus de 6000 mètres, avec, pour seul objectif, celui de franchir la barre symbolique des 6000 mètres pour Paul, dans la limite de ses capacités physiologiques. C'est à La Paz, capitale bolivienne et la plus haute du monde, qu'ont atterri une semaine plus tôt les trois alpinistes afin de préparer le début de leur expédition. Outre ses paysages exotiques, sa faune typique et son folklore local coloré, la Bolivie présente deux particularités géographiques remarquables. Elle possède l'Altiplano, un haut plateau situé au milieu des Andes, et le lac Titicaca, la plus vaste étendue d'eau sud-américaine et la plus haute, car située à 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors pourquoi la Bolivie? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où il y a un plateau en altitude qui nous permettent d'atteindre les sommets assez facilement sans qu'il y ait des longues marques d'approche. Et surtout, la Bolivie a une particularité géologique, ce sont des volcans. Et donc c'est des sommets qui sont assez détachés les uns des autres, et ils ont une pente régulière. Donc au niveau technique, au niveau difficulté d'alpinisme, elle est assez réduite. On va d'abord s'acclimater, j'allais dire, calmement, sans faire de gros efforts physiques, puisque à 4000 mètres, on commence déjà à s'acclimater. Et ensuite, on va monter en altitude à 5000 mètres, puis on va redescendre. Donc ce sera une petite marche, entre guillemets, de 3 jours. Il n'y aura pas de portage, il n'y aura pas de difficultés. On choisira vraiment les créneaux pour monter et redescendre. Et on validera chaque étape. La première étape, 5000, pof. Deuxième étape, 5005, on redescend. Et là, en ayant validé ces étapes, on saura si on peut monter plus haut à 6000 mètres. À 50 ans, Paul est un alpiniste aguerri et un grand sportif. Mais, depuis sa transplantation cardiaque, en 2009, il poursuit avec conviction et détermination un rêve aujourd'hui à portée de main. Grimper à 6000 mètres, en Bolivie, comme 28 ans auparavant, en 1985. Un pari fou, auquel Paul s'est méthodiquement préparé, mais avec un objectif altruiste, celui de prouver qu'après la greffe, la renaissance est possible. Celui de montrer aux patients en attente que l'espoir demeure. Celui de réveiller les consciences sur un sujet que peu prennent le temps d'aborder. Une problématique que Gilles Blinder, président de l'Association pour le don d'organes et de tissus en Seine-et-Marne, prend le temps d'expliquer. Depuis 40 ans, on se heurte toujours au même problème, qui est le nombre constant et en augmentation finalement de malades en attente de greffe et la constante de la pénurie d'organes à greffer. Avec le paradoxe suivant, sans organes, pas de greffe. Finalement, le seul obstacle au prélèvement et à la greffe d'organes, c'est le refus des familles. Et on sait aussi que sans refus, avec zéro refus, on pourrait greffer presque tous les malades en attente. L'ADOT a une mission, les ADOT ont une mission simple, il est de faire basculer dans l'intention favorable de donner ses organes, dans la décision de donner, et aussi de le dire à ses proches, dans l'objectif de les soulager d'une décision qu'ils auraient à prendre dans cette situation extrêmement difficile et douloureuse. Même en pleine montagne, Paul n'oublie pas que son quotidien est aussi celui d'un greffé, avec son lot d'ordonnances et de médicaments. Le docteur Verdier apporte un éclairage médical sur le sujet. Les gens qui souffrent du cœur, bon, se déconditionnent puisqu'ils ne peuvent pas faire d'activité physique,
on change le moteur pour simplifier, et puis après, il faut faire repartir tout l'organisme autour de ce nouveau moteur et intégrer les médicaments qui sont nécessaires après. Et il y a deux choses qui vont vraiment changer. Il y a le cœur que l'on lui a greffé, il n'est plus innervé, il n'a plus de nerfs, donc il travaille un peu comme il veut. Mais grâce à l'entraînement, il va s'adapter petit à petit comme Monsieur Dupont. Simplement, c'est un cœur qui quand même a été pris sur un donneur, a été conservé pendant un certain temps dans une solution qui lui permet de vivre, et on l'a mis sur donc, ce sportif. Mais il s'est un peu abîmé. Donc il n'a pas les mêmes capacités de contraction que le cœur qui n'a pas été mis en dehors d'un corps pendant un certain temps. Et donc il y a une petite baisse à la fonction de la pompe, et à chaque fois elle envoie un peu moins de sang. Et donc finalement le débit maximum que peut avoir cette pompe, même quand elle va très vite, est moindre que celui d'un sujet qui a un cœur normal. Ça c'est la première limite. La deuxième limite, c'est qu'il faut prendre des médicaments pour tolérer la greffe. Et ces médicaments ont une certaine toxicité musculaire. Et ils abîment un peu les muscles. Et donc, le sujet qui les prend a moins de capacité physique d'origine musculaire qu'un sujet qui n'a pas ces médicaments. Comme chez tout le monde, plus on monte, moins on a de capacité physique. Pourquoi ? Parce que la pression partielle en oxygène baisse. On va dire, pour simplifier, qu'on va perdre à peu près 10% de nos capacités par 1000 mètres à partir de 2000. Ça veut dire qu'il faut avoir des capacités supranormales au départ pour supporter la baisse de nos capacités liées à l'altitude. Mais après, ce que nous ne savons pas bien, c'est est-ce que ces poumons vont continuer à bien diffuser l'oxygène qui est raréfié vers son sang. Est-ce que la puissance qui va lui rester en haute altitude va être suffisante pour l'effort qu'il va vouloir faire. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des paramètres fonctionnels, ce qu'il ressent. Deuxièmement, la saturation, et puis les paramètres cardiaques, fréquence cardiaque, tension artérielle. Alors c'est un beau challenge. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils ne peuvent pas? Je dirais que ça dépend plus de leur tolérance à tous les médicaments qu'on leur donne, plus sans doute qu'à leur volonté. Mais est-ce que finalement les médicaments m'autorisent telle et telle chose ou me limitent? C'est souvent la limite. Nous le verrons. Aujourd'hui, Paul tente la validation des 5000 mètres avec l'ascension du Huila Llojeta. Le temps est clair, l'allure est modérée, les indicateurs sont bons. Paul atteint le sommet sans trop de difficultés à 5250 mètres. Ah oui, j'ai poussé mon petit cri de guerre là. En fait, c'était mieux à la fin qu'au début. Je vous dis pas pourquoi, c'est un secret. Prochaine étape, l'Acotango. Paul, Guillaume et Alain empruntent les voies sinueuses des sommets du lac Yankokota pour se diriger désormais vers le sud du pays. Sur la route de Sajama, les volcans se profilent à l'horizon. Quatre kilomètres au Chili. 5 kilomètres d'accord, hasta la frontera con Chile. Situés à la frontière du Chili et de la Bolivie, les sommets majestueux s'imposent au milieu de cette région désertée par les Boliviens. Demain matin, Paul tentera de relever le premier défi à 6000 mètres, la Cotango. Les trois alpinistes se sont levés aux aurores, car l'ascension risque de durer. À raison d'une vitesse moyenne de 100 mètres de dénivelé par heure, le challenge est de taille. Outre le vent et le froid, les pénitents en formation, ces petites bosses de glace qui parsèment le chemin, risquent de ralentir la course. Thank you.
beauté est physique et harassante. Chaque pas devient un effort douloureux. Les pénitents entravent le parcours de Paul pour qui chaque mouvement est un obstacle de plus à franchir. À bout de force, Paul s'effondre. Polo, ça va ? Polo ! Aujourd'hui, il ne pourra pas aller plus loin. 5850 mètres. Il a amélioré de 550 mètres son record précédent, établi l'an dernier au Pérou. Mais Paul ne peut cacher sa déception. Retour au camp de base, c'est la réunion de crise. Paul, Alain et Guillaume tentent d'analyser la course de la veille. Au vu des difficultés de Paul, l'équipe est inquiète. Alain étudie une dernière fois les cartes afin de préparer l'ultime ascension. En attendant la course du lendemain, les trois alpinistes profitent des 38 degrés des Aguas Termales. L'heure est au calme et à la détente des muscles éreintés. Les trois alpinistes se rendent au camp de base à 5100 mètres. Le paysage lunaire offre un panoramique saisissant. On est parti de La Paz il y a 4-5 jours. On est arrivé à Sajama, c'est un petit village charmant. De là, on est parti faire l'ascension de la côte Tango. Donc une ascension à la journée, qui a été difficile pour tous les trois. Paul a vaillamment atteint les 5850 mètres. Et on sentait que c'était difficile et je pense que ça aurait été peut-être même dangereux d'aller plus haut. Alain, lui, a atteint le col en dessous le sommet à 5950 mètres. Et pour ma part, j'ai atteint le sommet à 6070 mètres au prix d'un effort important. Aujourd'hui, on est monté au camp d'altitude pour l'objectif principal de notre voyage, le Parinacota. Tu as 6350 mètres, donc il y aura plus de 1000 mètres de dénivelé. La journée de demain va être longue. Dernière installation, dernier montage de tente, dernier repas, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Donc tente monoparoi, on a oublié royalement le tapis de sol. Réveil à 2h du matin pour un départ à 3h. Guillaume a pris un peu d'avance pour tracer la voie. Le froid mordant gêne Paul, mais il continue d'avancer. Voilà, c'est fait. On avait dit 6000 mètres. On n'est pas très loin du sommet du Parinacota, qui fait, lui, quand même 6340. Ça fait 10 heures qu'on est parti ce matin. Donc je pense également à tous ceux qui sont dans la galère, qui sont en attente de greffe. Ben, la greffe, c'est... Ça marche, ça marche pas tous les coups, mais ça marche. Et après, on peut refaire des choses extraordinaires. Donc, il faut qu'il garde espoir.
Thank you.